Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Au sommaire, aujourd'hui, dans Bien dans son job, libérez votre parole, libérez votre efficacité. On va en parler dans quelques instants avec Nathan Bonest, un jeune entrepreneur qui a créé il y a 4 ans Polymia. Il développe justement l'éloquence. On fera le point avec lui. Il a inventé d'ailleurs des, des outils numériques pour justement vous faire progresser. La pause café. Bien utiliser vos réseaux sociaux. Alors, ah, ça c'est un vrai sujet en ces moments de, de rentrée et on fera une pause café évidemment avec Caroline Ricross. Elle, elle est notre invitée. Le cercle RH, Comment dépoussiérer la fonction publique C'est un, un vieux sujet, c'est un serpent de mer. On reparlera de l'attractivité des, des métiers, de la revalorisation salariale qui est un autre sujet important et on fera le point avec des experts de ce sujet dans le Cercle RH. Et pour terminer, fenêtre sur l'emploi, au-delà du CV, eh bien il faut remettre les compétences au cœur du recrutement. On fera le point avec Maxime Legardez, il est CEO et cofondateur de Maqui People. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job et on parle d'éloquence. Bien dans son job et on va parler d'un sujet qui n'est pas forcément enseigné dans les écoles, qui n'est pas les formations que vous avez forcément en management ou en marketing, mais il s'agit de prendre la parole, d'être éloquent, d'être impactant et on en parle justement avec Nathan Bonnet. Bonjour Nathan. Bonjour François, merci pour la présentation déjà. Euh, moi c'est Arnaud. Arnaud, excuse-moi. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, euh, c'est un, un bon début. C'est vrai. Euh, pour un homme éloquent, vous êtes peut-être un peu sous tension ah, là. Un petit peu. C'est différent la télé de, de, de la scène C'est un petit peu différent, ouais. C'est pas la même pression. Alors vous êtes CEO de, de Polymnia. Exactement. Euh, vous avez. D'abord quelques mots sur votre parcours, parce que je voudrais qu'on s'y un instant. On est la chaîne des audacieux, euh, Bismarck, et vous êtes un entrepreneur audacieux. Vous faites du droit, cursus classique. Ouais, exactement. Ça vous allait pas complètement. Vous avez 25 ans, oui. euh, donc il y a 4 ans. Euh, à 21 ans, voilà. vous dites je crée ma boîte et je voudrais que les gens soient euh, éloquents. Comment s'est née cette idée Alors, moi, de manière générale, j'en suis plutôt convaincu. La prise de parole a un petit peu sauvé ma vie. Durant tout mon parcours, je suis dyslexique, j'ai toujours été très mauvais à, à l'écrire ce genre de choses. Et quand je suis arrivé en fac de droit, on m'a proposé très rapidement du coup, de participer à des concours d'éloquence et ce genre de choses. J'ai réussi, à travers les concours d'éloquence, à me faire un petit nom, mais modestement. Et puis, j'ai écrit comme un nerd, un petit peu dans ma chambre, une méthodologie. Qui avait pour objectif de développer chez n'importe qui son esprit critique. Parce que au-delà de la prise de parole, moi, ce qui m'importait, c'était vraiment de donner des outils aux gens pour qu'ils puissent après utiliser leur voix pour arriver à se présenter, mais surtout arriver à donner leurs idées aux autres avec leurs mots. Alors, pour faire un peu de philo, on a une rubrique ici qui s'appelle Smart Philo. C'est pas du sophisme. C'est pas uniquement de la forme. C'est aussi apporter du contenu. Surtout du contenu. Euh, champion de France euh, d'éloquence. Voilà. Et de débat. Et, et de 2018. débat. Voilà. Donc en 2018, j'allais dire, ça bascule pour vous parce que, parce que vous avez une notoriété euh, et dont vous allez vous servir voilà. pour développer votre entreprise. Euh, de... Quelle définition vous donneriez Vous venez nous la donner. Mais euh, l'éloquence, c'est quoi L'éloquence, je pense que euh, c'est de savoir aussi qui on est par ses mots. C'est d'arriver un petit peu à dominer soi-même et les autres en ayant une bonne image de soi à travers un plan méthodologique qu'on a dans sa tête. Alors c'est intéressant parce qu'il y a d'autres entreprises qui développent la prise de parole. Alors c'est souvent la prise de parole, certains l'appellent le média training, il y a une mille mots. Oui, vous avez choisi l'éloquence. Je euh, c'est plus philosophique, c'est plus élégant que, que d'expliquer euh, ⁇ euh, je vais vous apprendre à prendre la parole ⁇ Quelque chose de plus, ouais, de, de plus, de plus riche, c'est le sentiment dans, dans la formation que vous apportez on, on essaye de se concentrer individuellement sur chacun des, des cas qu'on qu accompagne, en, en sachant que comme on a commencé surtout avec des institutions publiques, donc, souvent aussi euh, des publics qui n'avaient aucune base de ce, genre de, jeu, de, de ce genre de. On part de zéro là. Voilà, exactement. Ce qui était très important, c'était de rapporter de l'humain là-dedans. C'était déjà d'essayer de comprendre euh, comment on arrive à relier, du coup, la personnalité et surtout, on va dire, les connaissances qui sont propres à chaque individu, la culture de chacun, vers un plan méthodologique. Mmh. Donc, au début, ça a été beaucoup, on va dire, de structure, avant même d'être de l'éloquence. Ça a d'abord été de la construction de, 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 de discours et puis surtout arriver à mettre en avant et en donner à confiance à certaines personnes. Rentons dans le concret, parce que vous avez euh, eu des clients, parce que c'était des clients euh, assez intéressants. Vous êtes allé pousser les portes des, des, des maisons d'arrêt, ouais. des centres de détention, pour euh, accompagner les détenus, euh, par exemple, à pouvoir s'exprimer devant le juge. Voilà. Et ben, alors, Ça, c'est une expérience très forte, j'imagine. On, on y va tous les mois, à peu près. Dont on travaille voilà, avec... Euh, D'ailleurs, je tiens à les saluer aussi, parce que le tra les travaux qui sont faits euh, en milieu carcéral sont souvent... Pas assez mis en avant, ou en tout cas pas de la bonne manière, alors que c'est une grande machine et une grande usine avec beaucoup de personnes qui sont déterminées et passionnées par ce qu'ils font. Donc, déjà, je pense qu'on leur rend très peu hommage par rapport à tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est luxueux, enfin, c'est quand même extrêmement gratifiant pour ces détenus qui, pour la plupart, parfois n'ont pas eu de diplôme, sont pas allés longtemps à l'école, leur apporter ce savoir et ces compétences. Je... Je pense que de toute manière, si on ne leur donne pas ça, il y aura beaucoup moins de chances de réinsertion pour la plupart d'entre eux, parce que le pro, le pro, le, la prison, je pense, brise aussi beaucoup de confiance en soi chez beaucoup d'individus. On n'en ressort pas comme quand on est rentré. Je pense que ça, c'est faux. Et on n'en ressort pas toujours guéri non plus. C'est pas toujours la sanction qui guérit. Ce qui est important, c'est du coup d'arriver à leur donner les armes et surtout les codes. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment à chaque fois d'individualiser chaque personne selon leur peine et surtout d'essayer de leur expliquer qu'il y a une autre solution possible, mais pour cela, il faut d'abord apprendre à se présenter. Et surtout, il faut déjà apprendre à savoir comment on arrive à se mettre en avant, et surtout à convaincre d'abord soi-même avant de convaincre le juge ou quelqu'un d'autre, parce oui. qu'on n'est souvent pas dupe. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, il faut d'abord être convaincu de ce qu'on qu porte voilà. et de ce qu'on dit, de pour ce pour... Qu et de ce qu'on vaut. La prise de parole, elle est essentielle. Est-ce que ça doit être une, une compétence certifiée Parce qu'elle ne l'est pas aujourd'hui, cette compétence. On, peut. on est en train d'y venir, je pense quand même. C'est un depuis d'ailleurs depuis que j'ai créé aussi euh, voilà ma structure, je l'ai créé aussi parce que dans l'ère du temps, on est en train de se rapprocher de plus en plus euh, de cette capacité, de cette aptitude qui est de savoir s'exprimer devant les autres. Donc je pense que on est en train de passer le tournant de tout ça aussi, que ce soit à l'école ou que ce soit dans les formations CPF ou ce genre de choses où il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se développer, qui sont ouais. en train voilà de, de, de mettre en avant ces compétences-là. Je pense qu'on est encore au début. Mais c'est en train, train d'arriver. Euh, ça peut changer quoi de, 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 de bien s'exprimer en fait, J'ai le sentiment que c'est le champ des possibles infini. C'est un petit peu ça. Je pense que dans le débat public, déjà, ça fera du monde à beaucoup de gens. Beaucoup de personnes aussi auront moins peur de dire ce qu'ils pensent. Et puis, je pense que plus on s'y prend tôt, plus aussi les jeunes auront moins peur de donner leur avis à travers le temps. Et ça brisera peut-être un peu de l'élitisme aussi. Euh... Ouais, vous parliez de, de, des détenus et c'est une clé importante hein, de les accompagner, mais il ne faut pas oublier les élèves. On voit voilà. aujourd'hui un mode éducatif français qui est quand même majoritairement basé sur l'écrit, très peu sur l'oral. Ouais. Et, et pourtant, quand on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux et ce genre de choses, qui met toujours en avant euh, l'oralité, ah ouais. euh, même on va dire le, le physique des personnes, le sourire, le langage non verbal avec TikTok et ce genre de choses, évidemment, eh bien, on se rend compte qu'on a du retard là-dessus. Ouais. Tout est vidéo et paradoxalement, notre modèle éducatif n'est pas construit sur, le, sur la prise de parole à l'oral, comme aux États-Unis par exemple. Mais c'est pour ça que le grand oral du bac, qui a été mis en, mis en place il n'y a, a pas longtemps, est une super épreuve parce qu'elle permet aussi de rabattre les cartes de tous les élèves et de les mettre à égalité juste sur leur créativité ouais. en partant de la prise de parole. C'est une, une bonne initiative. Et puis avant de nous quitter, vous avez mis en place un logiciel parce que la tech joue un rôle important pour, euh, quoi, pour travailler sur la voix non, en gros, on a créé une intelligence artificielle pour le grand oral du bac l'année dernière qui est sous trois critères. Le premier, c'est l'intonation de la voix. On essaye, on module si vous êtes rapide, si vous n'êtes pas assez rapide, vos accentuations de voix, vos silences. Puis d'un autre côté, on a pris le dictionnaire, on l'a fait rentrer dans des logiciels informatiques pour qu'on puisse repérer le nombre de mots que vous utilisez trop pour, dans, pour densifier vos. Euh, répétition, mais aussi les mots qui ne sont pas vraiment euh, bons à l'oral ou ce genre de choses. Et, et éliminer les scories euh, voilà. du, du langage sous les tics de, de, de langage. Et puis pour le non-verbal, le dernier outil, on a utilisé un, un logiciel qui nous permet du coup de compter le nombre de mains ouvertes, le nombre de mains fermées, le nombre de mains qui se touchent, le nombre de regards droits, le nombre de regards aussi fuyants, Génial. avec pour objectif de dire ce qui vous manque pour que vous puissiez progresser seul. Un diagnostic. Merci Nathan Bonner, jeune entrepreneur, 25 ans. Merci. Le droit n'était pas fait pour vous. Non, pas vous avez créé votre entreprise Polymia, ça fait 4 ans, pour démocratiser la prise de parole en public. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Vous revenez Merci. quand vous le souhaitez, évidemment, sur ce plateau. On fait une petite pause café, ça doit arriver chez Polymia aussi. On va parler des réseaux sociaux. Là aussi, on en parle beaucoup. C'est la pause café avec Caroline Ricross. La Pause Café avec Caroline Ricross. Comment allez-vous Caroline Ça va très bien et vous Les vacances sont bien passées Très bien. Je vous ai déjà posé la question la semaine oui. dernière ou pas <laughs> bah, Je ne je, je vous... suis pas reparti en vacances. Donc, vous n'êtes pas repartie. Hein je sais que je suis quand même bronzée. Euh, c'est vrai, c'est ouais. vrai. Mais je vous avais posé la question. mais C'est ouais. toujours intéressant de créer une convivialité <laughs> sur le, le plateau. Aujourd'hui Caroline, on parle du, du on parle travail et réseaux sociaux. Euh, bon ou mauvais ami ah, c'est compliqué comme question, hein. mais c'est vrai que les réseaux sociaux, on a un peu l'impression que c'est devenu le nouvel espace privilégié pour parler de son travail. Après le phénomène de la grande démission dont on a déjà parlé la saison précédente dans la pause café, depuis quelques semaines, de plus en plus d'internautes défendent le quiet kitting, en français, la démission silencieuse. Cette tendance recommande en fait aux salariés de faire leur, leur job correctement, mais pas plus fini les heures supplémentaires fini le remplacement en dernière minute d'un collègue en fait on fait seulement ce qui est écrit dans sa fiche de poste ni plus ni moins ce phénomène d'ailleurs dont vous parlerez plus amplement vrai. dans l'émission de lundi prochain fait en fait actuellement le buzz sur mmh. les réseaux sociaux notamment sur TikTok où l'hashtag quite quitting a dépassé les 40 millions de vues de quoi un peu ouais. inquiéter les patrons mais alors qu'est-ce qu'on peut vraiment faire ou encore dire de son entreprise euh, sur les réseaux sociaux eh bien je vais Essayer de tout vous expliquer. Euh, des exemples, on va avoir des exemples à Caroline, parce que c'est un sujet qu'on qu évoque à la machine à café. Mm -hmm. euh, dévoiler par exemple son, son salaire sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire transparence oui. totale. Et oui, est-ce qu'on peut, est qu peut pas En juin dernier, une jeune américaine a partagé son bonheur justement sur TikTok. Et pour cause, en fait, la jeune femme qui s'appelle Lexi Larson est passée d'un salaire de 70 000 dollars à l'année dans une agence de marketing à 90 000 dollars pour un poste dans une autre entreprise dans le secteur. Technologique, et en fait, elle a posté des vidéos sur son compte TikTok euh, où elle expliquait un peu comment elle avait fait pour euh, atteindre ce salaire-là, ah oui, 20 000 dollars supplémentaires. C'est ça, elle était très contente. Ça n'a pas vraiment plu euh, à ses nouveaux employeurs, quand même, qui ont décidé euh, de, la, de, de la virer. Euh, L'histoire, heureusement, s'est bien terminée puisqu'elle a réussi à se faire rembaucher par son ancien patron. Et en tout cas, elle s'est fait virer pour avoir dévoilé son salaire sur, euh, sur les réseaux sociaux. Donc, elle est repassée à 70 000, elle est repassée à 70 000. Eh Oui, oui, oui. Au passage, j'ai perdu ça. Euh, la règle, parce qu'il y a quand même des règles de droit assez, assez précises hein, au-delà eh oui. du fait qu'on puisse écrire un peu ce qu'on veut, mais il y a des règles en France. Eh, en, ça. France. en France, alors en France, la liberté d'expression, en fait, c'est la liberté fondamentale qui est protégée par la Constitution. Elle nous autorise en principe à dire ce que l'on souhaite sur les réseaux sociaux. On peut donc parler de son salaire, on peut parler des conditions de travail, on peut parler de l'organisation au sein de son travail, mais également oui. du fonctionnement de son entreprise. En fait, vous êtes libre de dire ce que vous souhaitez et vous ne pouvez pas être sanctionné par votre employeur pour cela. Évidemment, il y a mmh, quand même mmh, des limites et mmh. les limites, c'est les abus. Comme d'habitude. Il oui, y a une petite jurisprudence quand même sur le sujet. Petite jurisprudence. D'ailleurs, on va donner quelques exemples. D'abord, en tant que salarié, en fait, on a tous une obligation de discrétion et de loyauté envers son entreprise. Vous ne pouvez donc pas, par exemple, dévoiler des informations confidentielles qui ne doivent pas être révélées. Le salaire, par contre, n'est pas une information confidentielle. Donc, on peut dévoiler son salaire. Par contre, une salariée a été condamnée par la Cour de cassation parce qu'elle avait publié sur son compte Facebook une photo mmh. de la nouvelle collection d'une marque de prêt-à-porter. Et là, pour le coup, c'était confidentiel puisque cette collection, elle n'avait été présentée qu'à certains salariés de l'entreprise. C'est vrai, lors d'une un, soirée euh, voilà, de présentation privée. Et forcément condamné. Ensuite, euh, si vous avez le droit de parler et même de critiquer votre entreprise ou même votre employeur sur les réseaux, on n'a en revanche pas le droit de dénigrer, de diffamer ou encore de porter préjudice. Et là aussi, il y a une jurisprudence, notamment de journalistes qui avaient critiqué leur rédacteur en chef euh, dans l'Est de la France. Euh, Est-ce qu'on a le droit d'utiliser justement ses réseaux sociaux, donc son réseau social sur son lieu de travail. Ah oui, c'est ça, est-ce qu'on a le droit pendant ses heures de travail? Alors oui, d'après l'article L1121-1 du Code du travail. Vous avez fait droit à vous. Hein <laughs> J'ai un peu galéré quand même pour dire le 1121 qui bien. pose le principe. Alors le principe, c'est quoi Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir mmh. ni proportionnées au but recherché. Alors ça veut dire quoi En gros, la connexion interne, c'est quand même l'un des moyens qui est mis à la disposition du salarié pour lui permettre de faire son travail quand on est au travail. C'est ça. Donc si la CNIL admet une tolérance d'utilisation à titre privé, on a le droit d'utiliser son Facebook sur son lieu de travail. Tout Est une question en fait de proportion. Un salarié a parlé bah, par exemple, été licencié pour faute grave parce qu'il s'était connecté pour une durée totale d'environ 41 heures en un mois à raison de plus de 10 000 connexions sur des sites non professionnels. Évidemment, le tout durant le temps de son travail et depuis son poste. Une autre salariée, là aussi, a été licenciée pour avoir utilisé Facebook seulement une heure par jour pendant son temps de travail. Mais en fait, la cour d'appel de Pau, d'ailleurs, l'a condamnée, non pas pour l'acte en lui-même, mais pour la fréquence de celui-ci. Une heure par jour, la cour a estimé que pendant cette heure-là, évidemment, elle ne travaillait pas. Or, elle était payée pour travailler pendant ces heures de travail. Alors, est-ce que l'employeur peut nous obliger à justement utiliser nos propres réseaux sociaux, là, cette fois-ci, pour l'utiliser, utiliser les salariés comme ambassadeurs de l'entreprise C'est ça. Parce que Alors, ça marche très fort, ça aussi. Bah, hein ça marche très fort, on peut ah, oui, en, oui. en parler, mais, mais non. L'entreprise si, est plutôt d'accord là. L'entreprise est plutôt d'accord, mais non, sauf si cela est contractuellement fixé. Sans accord, en fait, votre employeur ne peut pas vous forcer, par exemple, à publier sur Bien vos propre réseau, vos réseaux personnels, des postes de l'entreprise. Il ne peut pas non plus vous contraindre à vous identifier sur vos réseaux comme faisant... En partie de cette entreprise en question. Alors, par contre, prudence, parce que si jamais, sans que notre employeur nous le demande, on décide par nous-mêmes mmh. de publier euh, des postes d'entreprise, etc., eh bien là, on a un devoir de loyauté et de retenue. Qui s'applique. Petite subtilité toutefois, hein, parce que forcément le droit, il y a toujours des petites subtilités. Cette règle, elle est de mise si votre compte est public. Par contre, si votre compte, vos réseaux sociaux sont privés, Privé. alors exact. là, pas de problème. Le devoir de retenue et de loyauté ne s'applique pas. Donc, ça dépend le cercle que vous touchez en fait, les réseaux privés ou si vous ouvrez sur la... un mot sur les ambassadeurs pour oui, terminer les, les fameux ambassadeurs. Justement, les réseaux sociaux en fait sont devenus un tel enjeu pour la visibilité justement des entreprises que certaines d'entre elles n'hésitent donc plus à choisir des employés. Ambassadeur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un employé ambassadeur Eh bien, en gros, ce sont des salariés qui sont encouragés et formés à représenter la marque ou l'entreprise de manière positive sur leur propre réseau. Mais quand même, là encore, rien ne peut être fait sans accord. C'est ça. Il faut être libre de le faire sans. C'est ça la, la leçon. Mais bah oui, dire. voilà. Si on a envie de parler de son entreprise en bien, on le fait soi-même. On n'a pas besoin du, du DRH pour nous dicter le, le texte. Oui. Merci Caroline. Merci. Euh, puis vous avez fait du teasing, effectivement, pour euh, cette émission dont on parlera sur ces salariés qui font le strict minimum, mmh. ce sera lundi prochain. Merci. À la semaine prochaine. Et je ne vous demanderai pas, évidemment, si vous avez passé de, de bonnes vacances. Euh, on fait une courte pause et on s'intéresse à la fonction publique. Alors, il y a eu des débats sur le point d'indice, sur la revalorisation euh, des salaires, notamment dans la catégorie B. On va faire le point sur cette, euh, bah, cette fonction publique qui n'attire plus ou de moins en moins. Comment faire On fait le point avec nos, nos invités juste après la pause. Le cercle RH, on parle beaucoup d'entreprises privées, on va parler aujourd'hui de la fonction publique. Ben oui, ce sont des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions de, de, de collaborateurs. Alors certains sont des fonctionnaires, d'autres sont des contractuels. Euh, où en est-on de cette, dire, cette profession Alors c'est compliqué la fonction publique, parce que c'est plein de métiers différents l'hospitalier, le territorial, la fonction publique d'État. Euh, où en est-on de l'attractivité de la fonction publique euh, Parce que c'est vrai que beaucoup disent ben, les salaires sont bas, euh, malgré les revalorisations récentes. Point d'indice et Revalorisation, c'était là dès le 1er septembre pour les catégories B. Euh, on fait le point avec mes, mes invités. Est-ce que c'est un métier qui fait encore rêver On en parle avec Fabien Tasté. Bonjour Fabien, merci de revenir Bonjour. sur notre plateau. Président de l'association des administrateurs et trices euh, territoriaux de France. Donc les, je mets des guillemets, mais des hauts fonctionnaires. Les hauts fonctionnaires territoriaux. Donc on les range dans quoi directeur généraux les Directeurs services. généraux des services. Directeurs généraux, directeurs généraux adjoints des départements, des régions, des grandes communes, des intercommunalités, mais aussi de plus en plus plus sollicités pour euh, travailler dans d'autres univers professionnels, beaucoup en cabinet ministériel, à vrai. la Cour des Comptes, euh, mmh, dans les opérateurs de l'État, donc ce ça. sont des, des gens souvent des gens recherchés Exactement. dans tous les secteurs des administrations publiques. Et, et qui dirigent parfois des centaines de personnes des milliers, dans des régions, parfois des milliers, milliers, dans les départements. 4-5 000, 000 agents parfois dans des, dans des grandes collectivités, départements, régions. On vous écoutera euh, bah, défendre euh, ce, ce métier, cette profession. Euh, Lucila Modé bénu merci d'être avec nous. Euh, Présidente de l'Association des des jeunes agents publics, fonction publiques du XXIe siècle euh, (FP21). Euh, vous vous incarnez la jeunesse. Je précise quand même, c'est important de savoir euh, de quelle fenêtre vous parlez. Vous êtes directrice d'hôpital. Euh, pourquoi d'abord je, je me tourne vers vous Parce que on va entendre dans, dans une seconde. Euh, bah, c'est vrai qu'un invité qui était sur notre plateau, qui était souvent. Euh, bah, on, tiens, on l'écoute tout de suite. Écoutez-le. Je, je vous fais réagir tout de suite. Écoutez-le. Euh, il est le président de la FIRP euh, et on évoquait sur ce plateau des débats sur les conditions de travail et il avait là-dedans, vous allez l'entendre, assez dur à l'égard de la fonction publique. Moi, j'attends pas beaucoup des pouvoirs publics parce que c'est les plus mauvais employeurs. Donc, euh, qui s'occupe de la fonction publique avant d'expliquer aux entreprises ouais. comment ils doivent faire Alors, par contre, Il y a des déprimes aussi hein, dans la fonction publique, il y, a, il y a des burn-out. Hein. Il y en a probablement plus. Je vous ai vu prendre votre souffle Lucilla, parce qu'on parlait des burn-out, on parlait des tensions, on parlait du stress au travail, des dépressions post-Covid. Quand c'est sévère ce qu'il dit. C'est juste ou pas ce qu'il nous dit là, le président de la firme C'est un peu un peu sévère. Le plus mauvais employeur. – Alors ça dépend de quel point de vue euh, il parle et euh, de, de quel sujet il parle. – Directrice d'hôpital, hein, je rappelle, hein, vous oui, êtes oui. aussi confrontée à des infirmières qui, 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 qui claquent la porte. Hein. – Tout à fait, je, je pense que c'est inscrit pour personne, tout le monde sait que c'est compliqué avec les défis que nous rencontrons dans, dans, dans le service public et, et dans les sociétés. Après, euh, de quel point de vue il parle, ça serait intéressant d'en savoir plus. Je ne crois pas évidemment que l'employeur public soit, soit le pire. Par contre, des marges de manœuvre sont possibles pour améliorer… Euh, Fabien, Fabien Tasté, vous dites les Français éprouvent des sentiments versatiles à l'égard de leurs fonctionnaires, tantôt applaudis aux fenêtres de tout le pays pour leur mobilisation face à la pandémie Covid, et ça concerne euh, Lucilla, euh, suspectés en même temps de nourrir tous les maux du pays, comme la dette, l'inertie, l'amateurisme, et bien, et bien des choses encore. J'ai l'impression qu'en une phrase, vous avez posé le problème. Oui, et puis je pense que le son que vous nous avez fait entendre euh, euh, montre bien euh, à quel point... Euh, les représentations sociales que beaucoup d'entre nous véhiculent nuisent à l'attractivité de la fonction publique. Parce que est le, on est d'accord. C'est l'excellent sujet que, que vous nous proposez aujourd'hui. Moi, je crois qu'il y, y, y a trois grands défis pour l'action publique dans les années qui viennent. J'ai eu l'occasion de le dire au ministre. On le reçoit d'ailleurs la semaine prochaine au Congrès des hauts fonctionnaires Stanis territoriaux, Stanislav Guérini. Et, et on débattra de ces sujets-là avec lui. Je crois qu'il y a... Le sujet de l'accessibilité la, de du service public. Vous savez, traditionnellement, le service public, vous recevez des gens dans des bâtiments, dans des médiathèques, dans des conservatoires. Vous recevez des gens dans des lieux. Dans les hôpitaux. dans les hôpitaux. <laughs> Là, il faut, voilà, un, <laughs> un de nos plus beaux services publics. Euh, On est plus en difficulté aussi. Et vous leur délivrez le service. Puis, il y a le développement des services publics numériques. Mais attention. 100% de services publics numériques. c'est pas possible. ils font hein. s'arracher les cheveux. Dans il, y un nombre des, il y a des, euh, des euh, certaines de nos concitoyens n'iront jamais euh, sur un site internet pour s'inscrire à telle ou telle prestation, euh, etc., etc. et puis, et je pense que ça va de plus en plus se développer, il y a la révolution du aller-vert. c'est-à-dire ce n'est plus la personne qui vient dans un bâtiment qui vient au service public, le service, et le service public, public qui va à la personne. Mmh. Voilà. Et ça, je pense que ça va être de plus en plus en développement. Euh... Accessibilité, deuxième sujet, la diversité. Je fais vite. On a beaucoup avancé sur le sujet de la diversité. Et si on veut que les Français croient à l'action publique et croient en leurs administrations, états, territoriales ou hospitalières, il faut que les Français ils se reconnaissent dans ces administrations. Il faut que ces administrations leur ressemblent. Soit à leur image. Voilà, donc il faut des hommes, des femmes, de la diversité, des fonctionnaires qui viennent de toutes les zones géographiques du pays. On a beaucoup travaillé, vous savez que nous, on a beaucoup travaillé avec Emmanuel Macron et son gouvernement pour faire une grande réforme de euh, l'égalité des chances dans la fonction publique avec les annonces et les mesures de 2021. Il y a encore beaucoup à faire, mais on a... Et puis il y a le troisième grand sujet, et celui-là il nous inquiète beaucoup, je crois qu'on partage ça, c'est l'attractivité. Aujourd'hui, enfin, on, on, on constate un, un désamour majeur pour les métiers publics, je finis sur ça, il y a eu récemment une enquête d'opinion auprès des employeurs publics, 40%, c'est pas rien, 40% des employeurs publics nous disent... Je ne trouve pas, je ne trouve plus, je ne trouve pas mon maître-nageur, je ne trouve pas le cas mon gestionnaire comptable, je ne trouve pas d'agent en crèche pour garder les enfants, je... les enseignants. Hein, on... On a tous vu les fameux 4000 de cette rentrée. Euh, voilà, et puis on pourrait euh, citer la liste est, 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 est infinie. Et c'est un problème majeur, parce que demain, concrètement, ça veut dire qu'on n'aura pas d'agents du service public à mettre devant Face les aux Français. Français qui en ont besoin. Lucida euh, Modé-Bellu, dans FP21, qui est, qui est votre organisation, votre structure, vous, vous êtes très large hein, fonction publique territoriale, hospitalière, publique d'État, mais aussi fonction publique parlementaire. Je pense aux assistants parlementaires qui, parfois, ont des, des situations très complexes. Ils ne sont pas fonctionnaires tout en étant des collaborateurs directs d'un député. Qu quels sont les messages que vous portez Parce que vous êtes l'incarnation de la relève. Vous êtes jeune et vous dites, moi je m'y retrouve. Vous vous y retrouvez, vous, dans, dans le métier que vous faites là Alors, Vous vous épanouissez Alors c'est la question euh, tout à fait qu'on me pose euh, collectivement. Hein, Est-ce qu'il y a de l'épanouissement Parce qu'il y a aussi la question... Euh, pour compléter euh, les propos précédents, c'est la question du sens. Souvent, euh, le service public, intérêt général, c'est le sens. Et d'ailleurs, euh, on envoie des personnes qui travaillent dans le secteur privé et qui viennent dans le secteur public justement parce bah, qu'à oui. un moment de leur carrière, ils cherchent du sens qu'ils ne trouvaient pas dans le secteur privé. Donc, euh, la fonction publique a ça pour elle. Enfin, Lucilla, je m'autorise parfois aussi les institutions publiques cherchent aussi du sang neuf venu du privé pour euh, un peu transformer, pour euh, faire bouger les lignes. Vous êtes d'accord avec moi suis... Ça fait du bien un... aussi. C'est un constat, tout à fait. Et, euh, et c'est cette ouverture-là, euh, j'inclus ça dans la diversité, euh, en ce qui me concerne, puisque c'est l'ouverture avant tout euh, à, à des personnes ou des profils qu'on qu n'a pas l'habitude de recruter. Et c'est... Une des choses que l'on défend dans l'association, c'est la diversité, c'est aussi la diversité des parcours professionnels. Voilà. Ce, ce n'est pas grave si on n'a pas un parcours qui est droit comme une ligne, si on vient de notre secteur, si on, on veut changer au cours de sa carrière, puisque les générations, euh, la, la jeunesse, hein, donc là on parle Y, Z et même Alpha, je lisais avant de venir une mmh. étude sur la génération Alpha à partir de 2010. Alpha. Alpha, donc voilà, ce sont les, 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 les natifs à compter de l'année 2010. Donc c'est avant la génération Z, là. Euh, c'est après C'est après. C'est ceux qui ont 10 ans à peine, euh, voilà, les plus grands ont 10 ans à peine euh, voilà, aujourd'hui, euh, qui, qui, qui vont forcément euh, être dans une dimension ultra numérique, hyper connectée, euh, tout, tout de suite. On change selon nos envies et en même temps, on a des préoccupations sur la durabilité l'écologie qui sont totalement intégrées. Donc comment nous on peut s'adapter à ce profil-là, puisque c'est ça qu'on cherche quand on va travailler dans le secteur public Travailler tout court, euh, est-ce que je peux même pas devenir personnellement Et est-ce qu'en plus je peux y trouver quelque chose de collectif qui fait du sens Donc c'est le message que vous portez dans, dans FP21, oui, c'est de dire on est jeune, est on ça. peut trouver du sens à ce métier dans des responsabilités. Alors il faut préciser qu'il y a plusieurs catégories oui. dans la fonction publique D qui est la plus basse, euh, C, B, A, et puis ensuite on appelle ça des ingénieurs, me semble-t-il. C'est le terme utilisé pour un certain nombre de, de fonctionnaires qui sont au-delà de catégories. Un mot sur les salaires L'attractivité, on le voit dans le privé aujourd'hui, passe aussi par l'idée de donner envie aux collaborateurs d'avoir un salaire décent. Et les secteurs dont vous parliez tout à l'heure, secteur hospitalier, euh, la petite enfance, dans les crèches, ces métiers ne sont pas attractifs parce que, en l'occurrence, euh, les conditions de travail sont dures et les salaires sont plutôt bas. Comment on fait, là Quels sont vos, vous, vous représentez les hauts fonctionnaires. Donc, euh, j'ai envie, envie de dire que les salaires, là, ce n'est pas, le, le, mais... pas un enjeu. En tout cas, vous, qui est moins en important. Dire un et encore, et encore. En dire un mois, non. non, mais évidemment, alors... Y... Il y a la question des représentations sociales. J'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est important. Ce, ce pays quand même malmène beaucoup. Oui, dans un discours politique très dur. Et, et alors, il y a eu la parenthèse enchantée. On a tous vécu du Covid où on applaudissait à nos fenêtres. Vous mmh. vous en souvenez Les agents publics, des hôpitaux, etc. C'était une parenthèse enchantée. Elle est refermée. Mmh. Ou on embrasse les, les policiers euh, après voilà, les attentats. Exactement. Globalement, quand même, ce pays malmène ces euh, fonctionnaires, enfin, véhicule une image dégradée de la fonction publique. On a entendu. Mais c'est injuste euh, ou il y, y a une impertinence oui, je, je crois que c'est injuste que qui ait besoin de réforme. Nous, on a été les premiers à demander une réforme de notre fonction publique. On est aux fonctionnaires, donc on ait besoin de se réformer dans l'administration, dans l'action publique, c'est l'évidence. Mais on ne mérite pas tous les poncifs euh, Chari euh, euh, à longueur euh, à longueur de journée. C'est euh, douloureux, vous le dites comme. Euh, voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça nous qu'on souhaite intervenir dans le débat public. On est aujourd'hui un acteur d'influence de référence du débat public parce qu'on souhaite contrebalancer ce discours. Euh, absolument euh, euh, injuste qui est, euh, euh, qui est tenu sur les collectivités locales. On entendait tout à l'heure, je ne sais pas où votre euh, invité a trouvé qu'il y avait une qualité managériale moindre, je ne sais pas quelles sont les données qui lui permettent de dire qu'il y a une qualité managériale moindre sur les burn -out, sur dans, les le secteur, dans le secteur public, alors que prenez l'exemple du télétravail. Un bon exemple. Mmh. Le télétravail, moi je, 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 je peux vous affirmer ici, nous on a, on a fait des études à la sortie du Covid qui le montrent très bien en matière de télétravail, les administrations publiques ont été euh, extrêmement agiles. Euh, On su très rapidement redéployer des agents, déployer du télétravail pour que, le, pour que le service public continue alors que plus de collaborateurs travaillaient à la maison. Donc ce qui a été fait en termes de... De télétravail au moment du Covid dans les administrations publiques n'a absolument rien à envier à ce qui pouvait se faire dans le secteur privé. Mais et au contraire, parfois, on a été, on est allé plus loin et on a été plus agile en matière de télétravail euh, Moi, que, euh, que dans le secteur privé. Donc, y a, ce sujet, il ne faut pas, Fabien, euh, faut pas les représentations sociales que véhicule le corps social, n'incite pas les jeunes à épouser les métiers de la fonction publique. Et là, il faut que le corps social collectivement travaille sur ce sujet. Lucilla Monébelu, il euh, y, y a une part de vérité. Vous dirigez un hôpital, c'est intéressant. Vous êtes une actrice de l'hôpital, on a vu, sur, même sur ce plateau, des infirmières ou des responsables recrutement qui disaient nous, euh, on récupère aujourd'hui des infirmières du public euh, qui s'en vont, qui quittent le métier ou qui vont dans, dans des secteurs plus attractifs euh, ou qui partent en, en intérim parce qu'elles gagnent plus. C'est une réalité ça, qui, qui pèse sur les épaules de la fonction publique, une réalité. qui dégrade son image. Alors, Je suis directrice logistique, pour être précise, à l'hôpital de Mio dans l'Aveyron, oh, oui. c'est un territoire semi-rural. Je, je euh, on est tous bien placés à l'hôpital pour en parler mais en, encore plus mais oui, dans ça, les territoires reculés. Dans les, ter dans les territoires semi-ruraux, euh, semi c'est une réalité. Euh, effectivement, la rémunération, euh, c'est comme un, un non, fondamental. besoin fondamental. Donc, on ne peut pas. Donc, c'est une ignorer. revendication fondamentale. Euh, je euh, oui, oui, un oui c'est une revendication puis un droit. Et je crois que là, aujourd'hui, euh, même le, le, la politique menée en place l'a très bien compris avec des augmentations de salaires. C'est une nécessité. Après, je crois que c'est humain aussi de réagir un peu au dernier moment, comme l'écologie. On le sait depuis 10 ans, 15 Bien ans, sûr, 20 ça ans. Fait Et puis maintenant qu'on est devant le fait accompli, on y réagit, on y répond. Et à FP21, le parti pris, c'est de se dire, bon, effectivement, il y a le débat philosophique, politique, sociétal, mais de toute façon, on est là. Et quelles sont les solutions concrètes pour pouvoir avancer euh, Juste sur le salaire, quand il faut être précis. Oui. Le, le, le gel du point d'indice oui. avait été gelé depuis longtemps. Il a été dégelé, 3,5% oui. d'augmentation, ça c'est le chiffre. Et puis depuis le 1er septembre, il faut quand même le dire, oui. Stanislas Guérini qui vient de prendre les rênes... Euh, à débloquer et à augmenter le salaire des catégories B, oui. euh, qui était un élément important, une revendication oui. importante. Il euh, n'y a que ça, le salaire, ou est-ce qu'il faut aussi, et là ça, ça touche, je dirais, la stratégie, le, le, la marque employeur, est-ce qu'il faut que la fonction publique se comporte comme une entreprise, euh, et avec une marque employeur, avec une, une visibilité, avec un discours oui. On, il n'existe pas réellement ce discours. Alors, comme une entreprise, je ne sais pas, c'est surtout d'avoir de l'ambition et d'assumer euh, les valeurs qu'on porte et l'ambition qu'on a et, et, et d'y aller à fond et d'enlever les freins les et les obstacles et, et les peurs qui peuvent être mises, soit par le statut de la fonction publique, pour le dire très clairement, soit Mais par. Mais il est remis en question par certains hommes politiques. Hein. Il dit qu'il faut, il faut arrêter ce statut qui protège une partie euh, de, 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 des Français aux dépens d'autres qui, qui, bah, qui sont en CDD ou qui sont précaires. C'est le ce sujet. Là, oui. qui est sur la table. Alors, il protège, et il oblige. Nous, oui, ce qu'on voit vrai. dans les administrations, c'est que le statut peut aussi créer beaucoup d'injustices entre les contractuels et les, et les titulaires. Et aussi de l'injustice quand on est, jeune, on est jeune agent, on rentre dans la fonction publique, on a envie de se déployer, on a une ambition, on veut faire carrière. Mmh. Et en fait, le statut, euh, plus que. Libéré, peu freiné, voire enfermé. Et donc, c'est dans. Voilà, ça protège, mais ça aussi, ça oblige beaucoup. Et ça, c'est ce qu'on rappelle très peu dans les préjugés sur la fonction publique c'est que lorsque l'on est dans un statut de fonctionnaire, nous avons beaucoup d'obligations, et d'autant plus avec des responsabilités qui augmentent. Fabien Tastet, encore une fois, je vous fais parler de sujets qui ne sont pas dans vos prérogatives professionnelles, mais les professeurs évoquaient les mêmes sujets que pour les infirmières. Manque d'attractivité, salaire trop bas, euh, violence parfois au contact des mmh. élèves, de euh, mmh. grande difficulté à pouvoir transmettre euh, d'une pédagogie de qualité. Enfin, globalement, ce sont des secteurs qui ne sont plus attractifs. Mmh. Représentation sociale dégradée. Ne sont pas à la hauteur de la dignité de ces métiers. Le salaire, et il faut. Clairement. Ce n'est pas, pas un sujet tabou. Alors, euh, là aussi, combien de à oui. de, de enfin, ces fonctionnaires trop payés pour ce qu'ils font, etc. Les rémunérations publiques, depuis 20 ans, ça n'a pas bougé, c'est 12% du PIB. Ça ne me paraît pas délirant. Le salaire moyen net mensuel d'un fonctionnaire territorial, c'est 1900 euros net par mois. Donc légèrement Ça ne me paraît pas délirant. Ouais. En dessous du salaire moyen français. Absolument. Je parle du salaire net moyen des territoriaux. Dans la fonction publique territoriale, il y a 80% d'agents catégorisés. Vous, vous rappeliez à juste titre qu'il y avait une stratification des ouais. métiers. Catégorisés, c'est les agents d'exécution, les agents de terrain. Ils sont 80%. Ils sont très nombreux dans la fonction publique territoriale. Et donc, on a un salaire moyen à 1900 euros net par mois. Ça ne me paraît pas délirant. Donc, oui, bien sûr, il y avait un problème de pouvoir d'achat. Il y a toujours un problème de pouvoir d'achat. Le gouvernement, les gouvernements successifs, enfin, ce gouvernement, euh, oui, enfin, le gouvernement, euh, puisque c'était à l'époque de hum. la c'était à l'époque Porté Marshall. par Stanislas Guérini voilà, aujourd'hui. Prend, prend des mesures générales, la hausse du point d'indice, et des mesures catégorielles, des mesures sectorielles sur certains euh, secteurs. C'était nécessaire. Il faut le faire. Un enjeu d'attractivité, c'est le pouvoir d'achat. Dites-vous bien, bon, je prends l'exemple de la fonction. Touché aux hein, évidemment. Dites-vous bien qu'on a là, je le disais à 80%, des agents d'exécution, euh, des agents qui sont souvent dans des métiers de contact avec la population, des métiers de terrain, des métiers extérieurs qui peuvent travailler aussi en horaire décalé. Vous savez, quand vous allez le week-end faire du sport dans un stade, ou voir du sport, quand vous allez à la piscine le dimanche mmh. ou à la médiathèque mais le dimanche, en famille, bah, euh, oui, mais dans beaucoup d'endroits, mmh. elles sont ouvertes, et elles sont ouvertes parce qu'il y a des fonctionnaires territoriaux qui sont là, qui travaillent euh, et en horaire le, le week-end, qui accueillent, qui règlent des conflits, comme mmh. tu le disais, euh, etc. Donc, euh, oui, il y a un enjeu de rémunération. Il existe aussi, parce qu'il ne faut pas, moi, je ne me cache pas derrière mon petit doigt, un mot, des magos, il existe aussi pour les hauts fonctionnaires, si on veut aussi attirer les les meilleurs, oui. à La les meilleurs à l'état des bah meilleurs, oui. etc. Et ben, il faut, Sinon, ils partent chez Google. Il, hein, voilà, si on veut attirer les meilleurs, il faut aussi considérer bah oui. qu'il y a sans doute un Sinon, effort à faire en termes de rémunération pour les hauts fonctionnaires. Vous savez que les hauts fonctionnaires français... <laughs> Sont moins bien payés que les hauts fonctionnaires italiens, belges, anglais, sont payés les 1% des, euh, des, euh, des hauts fonctionnaires les mieux payés, sont payés 30% de moins que oui. les 1% des cadres du privé les mieux payés. Mais vous savez que pour autant, dans la fonction publique, quand vous êtes cadre dirigeant, vous n'avez pas moins de responsabilités qu'un cadre ah du non, privé. Quand, quand grosses, vous encadrez 5000 personnes, quand vous gérez des services publics sensibles comme la petite enfance, les personnes âgées, où vous avez euh, des, euh, 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 des personnes il faut, euh, 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 dont il faut euh, assurer. Euh, au quotidien, euh, auquel il faut délivrer au quotidien euh, des prestations, ce n'est pas moins important, moins valorisant, Lucie, ce que peut faire en cas du privé. Lucilla Modébelli, je vous ai vu sourire tout à l'heure, quand, quand j'évoquais ce sujet. Qu'est-ce qui vous faisait sourire J'ai deux points sur la rémunération. Je suis d'accord, la rémunération, c'est un besoin de base. Il ne faut plus en discuter. Il y a des salaires qui doivent être augmentés dans le fonds public. Pour autant, il existe déjà des mesures catégorielles. Bah oui, je l'évoquais, hein, celle du 1er voilà. septembre. C'est hein. ça, et puis, et puis aussi euh, géographiques sur des territoires qui sont peu attractifs, comme euh, je pense aux Outre-mer notamment, exact. où déjà, si on, on va s'engager là-bas pour une certaine durée, le, on, on est reconnu oui, au niveau salarial. On a parlé que de salaire sur le plan national, mais il y a des zones territoriales oui. qui sont des zones grises euh, Bien où, sûr. où on manque de, de, oui. de fonctionnaires. Hein, oui. On est d'accord. Et où là, des mesures de rémunération euh, particulières peuvent aider évidemment à, à favoriser l'attractivité. Mais la deuxième chose, c'est que, euh, au delà de la rémunération, ce qui va permet de la rétention parce que c'est aussi le sujet quand on est jeune enfin on veut garder nos oui. talents dans l'entreprise donc les retenir et les garder les fidéliser c'est le sentiment de satisfaction qui est tout aussi important voire parfois pour certains euh, certains profils plus important que la rémunération et c'est sur ça que fp 21 on travaille et en, en disant que l'accompagnement à la prise de poste et tout au long de sa carrière doit être élaboré donc beaucoup. du RH, donc du RH. Oui, et, et est... du management du, et du... RH et, oui. et, 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 et du, 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 de la gestion de son potentiel, du développement, etc. Ce qui commence à être fait pour. Les hauts cadres dirigeants et doit être tant, fait aussi. Tant mieux, nous sommes 5 millions de fonctionnaires, donc je pense que voilà. Merci, Lucila Modébellu il, il des choses se font dans la fonction publique, faut arrêter les clichés parce que c'est ce que vous évoquiez. Mmh. Il y a encore du chemin à faire, peut-être sur les RH, sur la manière dont on accompagne ces jeunes qui entrent dans, dans la carrière et puis rendre ce métier attractif. Il y a un congrès hein, chez vous, euh, Fabien Tastet, c'est la semaine prochaine, 14-15 septembre à Lorient. À Lorient, comme nous sommes ouverts, vous êtes tous. Toutes et et toutes ben on est a... les bienvenus. Euh, <laughs> le congrès de l'Association des administrateurs territoriaux de France et il y aura le ministre de la fonction publique. Et Jean, Castex, et Jean euh, Castex, le Premier ministre, nous fera aussi euh, euh, l'honneur d'être là. De voilà. retour de, de, la, de, 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 de sa région euh, pyrénéenne. Merci à Lucille bellu présidente de l'Association des, des jeunes agents publics, fonction publique du 21e siècle. FP21, c'est une association, il y a un site, un sigle. Possible. Allez donc rendre visite, peut-être vous inscrire si vous êtes un jeune agent de la fonction publique ou même un contractuel, hein, c'est ouvert au contractuel. Oui. Merci à vous deux de nous avoir éclairé et d'avoir transmis votre passion de cette fonction publique. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, on parle recrutement. Je ne sais pas comment ça se passe dans la fonction publique, mais c'est vrai que les CV n'ont bah, plus la cote. Aujourd'hui, c'est des compétences qui comptent. On en parle tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, rubrique consacrée au recrutement. On en parle souvent. Alors, CV hors note, CV. Là, on va parler avec Maxime Legardet. Vous êtes le CEO et cofondateur de Macky People. On va parler de l'autre versant. C'est-à-dire, c'est sans CV. Vous faites le pari à travers la, la création de votre entreprise. Alors, vous êtes un, un entrepreneur. Hein. Vous avez créé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises. Celle-ci en particulier, vous faites le pari à travers une analyse que le CV ne sert plus à rien. Oui. Bon déjà bonjour Arnaud, merci pour l'invitation. plaisir. Et content d'être là. Euh, en fait, le, le CV c'est très simple. Ça a été inventé par Léonard de Vinci il y a quand même plusieurs siècles. aujourd'hui en 2022, c'est toujours utilisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le CV, euh, déjà, euh, c'est euh, sujet à énormément de discrimination. Aujourd'hui, face à l'embauche dans des pays comme la France, mais c'est pareil pour nos voisins européens, on a énormément de mal à recruter euh, d'une manière euh, égalitaire où tout le monde a sa chance. Pourquoi Parce que le, le recrutement est basé sur un CV où on va se cacher derrière un nom d'école, un nom de famille. Euh, D'où le CV anonyme hein, qui était rentré dans la grille, ouais, qui ne prend pas, Et qui ne marche Donc, pas. En fait, déjà, le sujet, euh, le CV, pardon, sujet a énormément de discrimination. Le deuxième point, c'est que scientifiquement. Euh, c'est important de le rappeler, c'est la méthode euh, qui permet le moins de recruter euh, sur la performance du candidat. donc en fait euh, souvent dans les analyses on voit que euh, vaut mieux jouer au D que recruter sur un CV même si ça nous rassure parce que c'est quand même le, le document qu'on a. Enfin, euh, c'est euh, source d'énormément d'inefficience dans les processus de recrutement des grands groupes, parce qu'ils passent des heures et des heures et des heures les recruteurs euh, à gérer des candidatures, et des de centaines, mille, des centaines, des centaines et des centaines. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, j'aurais dû commencer par là. En 2022, les candidats aujourd'hui euh, qui passent leur vie sur euh, Netflix, Instagram ou euh, Snapchat attendent mieux, rêvent de mieux dans une expérience de recrutement. Euh, si vous demandez aujourd'hui à des euh, gens de 20 ans s'ils ont un CV updaté, une lettre de motivation, ils vont vous répondre non. En revanche, si, si vous leur demandez s'ils veulent avoir une expérience plus immersive, ouais. plus visuelle, plus fun, où l'entreprise peut euh, leur parler euh, des valeurs, euh, de la culture d'entreprise, euh, du job qui vont être amenés à faire. C'est ça le défi Là, que vous lancez dans Maquis. Bah, nous, on, a, on est parti de ce constat-là. Et en fait, on a monté Maquis comme un peu un nouveau standard de recrutement qui permettrait aux entreprises de recruter de manière beaucoup plus moderne. Et fun. Grâce un à un une plateforme, vue. on est d'accord. Exactement. Hein. On met en relation l'offre et la demande grâce à la plateforme. Exactement. D'une manière beaucoup plus sympa et fun pour les candidats. Euh, d'une manière beaucoup plus objective, en fait, on a créé toute une librairie de 200 petits tests, des oui, tests ça. de 2 à 10 minutes euh, qu'on peut passer sur mobile d'une manière gamifiée et sympa. On va retrouver des tests de personnalité, des, des tests d'aptitude cognitive, des tests de langue, est-ce que je sais parler ou écrire français ou anglais, des tests de compétences métiers. On a des tests en vente, en service client, euh, sur les langages informatiques, euh, sur les métiers des ressources humaines, de la logistique. Donc là, le, votre client, l'employeur, qui cherche, va, va aller chercher dans, le, dans, dans la, la palette. Exactement. Des choses qui, qui, qui l'intéressent par rapport aux compétences qu'il cherche, on est d'accord. Exactement. En fait, on va permettre à des entreprises, alors on travaille aujourd'hui avec des entreprises comme Capgemini, comme McDonald's, comme Ikea, et des plus petites entreprises, des PME, des ETI françaises et même européennes et maintenant américaines. Et en fait, on va les aider aussi bien sur des emplois de vendeurs, caissiers, livreurs, que sur des consultants, des fonctions marketing ou des directions financières. Et donc, je vous donne un exemple très concret. Vous recrutez un commercial, vous recevez des centaines de CV. Vous allez avoir, euh, en tant que candidat, vous allez cliquer sur postuler. Vous allez voir votre futur euh, manager ou un collègue en vidéo qui va dire Bienvenue dans le processus de recrutement. On est très content de vous accueillir aujourd'hui. Voici comment ça se passe dans l'entreprise. Tu vas avoir 15 minutes de petit euh, euh, test sur ton mobile. À toi de jouer. Je vais avoir 5 minutes de test de métier de la vente, fait par un expert de la vente euh, qui fait ça depuis plus de 30 ans. Je vais avoir un test de 4 minutes de maîtrise du français, pour m'assurer que je sais bien écrire des mails sans faute d'orthographe. Et je vais peut-être avoir un test de 3 minutes d'expérience vidéo ou dans ma chambre, dans mon Salon, je vais pouvoir faire une vidéo. Euh, Donc ça package en, en fait, situation. C'est le CV packagé, mais avec et des tout outils. Ça, dans l'interface euh, euh, de la marque euh, en question. Et le client reçoit ça. Et le client reçoit ça. Et moi, moi, je suis client, je suis recruteur. Il y a 400 personnes qui ont postulé. À la place d'avoir ma pile de CV et de regarder, de faire des erreurs, ben je vais filtrer. Je vais voir ceux qui cochent les bonnes cases, parce qu'on recherche quand même des gens qui ont de l'empathie mmh. pour un métier ouais. de vente, des gens mais qui savent skills, ouais. euh, euh, des soft skills, et hard skills. Et puis on va avoir une dizaine. Et puis c'est cette dizaine-là de candidats avec qui je vais passer du temps dans un second temps. Donc en fait, pourquoi les entreprises bossent avec nous Énorme gain de temps. Ça, c'est clair. On fait gagner jusqu'à 70% C'est vous temps. Qui, qui sélectionnez en amont. Enfin, j'imagine sur les, nous, les critères on aide à la présélection. Ouais, en donnant de en fait. fait les clés pour euh, aider ouais. le recrutement. Vous faites gagner du temps aux RH aussi, parce qu'il faut quand même le bah, dire. Et, 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 et ils n'ont pas le temps les RH aujourd'hui. Donc en fait, ces gros gains de temps ont permis d'identifier beaucoup plus rapidement les, euh, les profils. On permet d'engager les futurs. Collaborateurs qui sont les candidats d'une manière plus sympa. Aujourd'hui, encore une fois, je le rappelle, 95% des boîtes recrutent ou on demande va sur un site carrière. Upload ton CV, on revient vers toi dans deux semaines. Merci, Là, tout de suite. Merci Maxime Le Gardet. Vous reviendrez nous parler parce qu'on fera une émission sur les CV, leur utilité. et Vous viendrez débattre avec nous plus en longueur sur la, la passion qui vous anime. Avec grand plaisir. Tant de créer des entreprises que de développer des, des concepts comme Maki. Vous avez levé d'ailleurs 6 millions d'euros, euh, ça cartonne. Euh, Au-delà du CV, on en, on en reparlera sur ce plateau. Merci, merci à beaucoup. vous, merci de nous avoir rendu visite. CEO de Maki People, Maxime Le C'est terminé, on est en retard. Je remercie toute l'équipe, évidemment Théo, à la réalisation. Euh, je je remercie notre ami au son et je remercie Nicolas Jucha qui m'accompagnait dans, dans l'oreille. Merci à, à Carla pour l'accueil invité. Je serai là demain, si la portez-vous bien et restez fidèles à tous nos programmes, évidemment. Bye bye.